Oussama Le Condé n'était pas le profil idéal pour être Premier ministre. C'était pas quelqu'un de vertébré, c'était pas quelqu'un qui avait déjà conduit une certaine politique qui pouvait, sur lequel la présidence, dont le président de la République pouvait se pencher, savoir que à la primature, j'ai quelqu'un de poigne, quelqu'un qui sait pousser, qui sait avancer les choses. Non, on nous a cherché quelqu'un d'amorphe, un novice dans la politique qui ne maîtrise rien. Voilà le résultat. Il était ministre de sport. Il était ministre du sport. Il aurait pu peut-être rester là-bas et continuer à s'occuper du sport. Ça aurait été encore mieux parce que il n'est pas à la hauteur des enjeux. Pour moi, ce n'est pas parce qu'on fut ministre vraiment la bonne personne. C'est le profil qu'on a pu gérer à l'époque. Donc, ce n'était pas la personne qu'il fallait pour ce moment-là, pendant que Étienne Tshisekedi, personne, Félix Tshisekedi cherchait à pouvoir revigorer sa politique et démarrer, se donner un coup de pouce, un élan. On nous a sorti ce monsieur qui a l'air d'un gros nounours, en fait, permettez-moi le terme. Voilà. Donc, c'est lui qui a contribué à l'échec. Posez-moi, est-ce que vous le sentez, le Premier ministre ? Depuis un an, est-ce que vous le sentez ? On peut compter le nombre de fois qu'on l'a vu dans l'action. Bon, je vais répondre sur deux volets. Pour répondre à votre question par rapport au président de la République, je ne sais pas très bien comment il est en train de piloter cette politique-là. Mais personnellement, moi, je ne pense pas qu'il devrait discuter avec ces groupes armés-là. Je ne pense pas qu'il y ait question de faire ceci. Parce que ramener ces gens à la table de négociation, c'est affaiblir la position du gouvernement. Nous sommes la République, les institutions reconnues légalement. Ces gens-là sont des groupes armés. J'ai dit qu'on pouvait établir des vases communicants de manière officieuse, chercher à savoir quelles sont les revendications et voir de quelle manière on pouvait éteindre le feu de cette nation. Mais j'ai dit encore une fois que la guerre, les tensions, les foyers de tension au Kivu sont des connotations économiques. Le M23 que vous citez était déjà démantelé. Ils étaient en Ouganda, celui de Makenga. Celui de Runiga était démantelé. Runiga était au Rwanda. Donc, il n'existait plus. Mais ils trouvent le moyen de se reconstituer et de commencer à semer la désolation, encore une fois dans le pays, et ils brandissent des revendications qui avaient déjà été traitées sous le régime de Joseph Kabila. Donc on rentre dans un cercle vicieux. Alors là, moi je dirais non, on coupe le cordon ombilical. Les revendications furent déjà examinées et traitées à l'époque. Ce sont des rebelles de toutes les façons. Comment pouvons-nous intégrer ? On cherche à élaguer les problèmes sécuritaires. Comment pouvons-nous intégrer des rebelles dans les services ? Comment pouvons-nous réinsérer ces... Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, que je connais bien, pour avoir milité ensemble à l'UDPS, je sais qu'il est animé de bonne foi. Qu'il veut faire des choses, des bonnes choses. Le problème se présente dans l'implémentation, ou même, je paraphraserai ce qu'il a dit, dans le pilotage de certains de ces projets. Là où facteur, c'est que M. Félix Tshisekedi a fait un mauvais casting jusque-là. Il est beaucoup plus loyal à ceux qui l'ont accompagné au pouvoir, donc son entourage direct, que se focaliser sur un système méritocrate. Peut-être ces acteurs méritocrates-là sont des gens avec qui il a peut-être eu des différends dans le passé, sur son parcours politique, mais il devrait avoir la grandeur, puisque c'est lui qui va être responsable. Du mandat. On ne voit pas Sama Le Condé, on ne verra pas Ilon Kamba, on ne verra pas notre ministre, on le verra lui. Par conséquent, c'est son héritage à lui.
Et moi, je pense qu'il devrait prendre le courage de pouvoir faire un casting basé sur un système méritocrate et se départager de ses attachements fraternels avec ses amis ou amicales, des gens qu'il a ramenés, qui l'ont probablement accompagné, mais qui ne méritent pas d'être là. Par conséquent, toute sa politique plante. Bonjour, vous qui nous suivez de partout sur Makolo Digital Radio 1 et Télévision, la voix de la démocratie congolaise au panorama d'Afrique. Très heureux d'être ensemble avec nous dans notre émission intitulée « Analyse et décryptage de l'actualité africaine, congolaise et de la diaspora ». Aujourd'hui, comme thème, nous aurons à parler du pouvoir, de l'opposition, et de ses animateurs en République démocratique du Congo. Et comme sous-thème, nous allons parler avec notre invité de l'équilibre du pouvoir et de sa gestion, bilan d'un an d'existence du gouvernement Samalou Kondé, et enfin, la sécurité en République démocratique du Congo. Je vous informe que notre invité s'appelle M. Dominique Kabongo. Présentation et rédaction de l'émission, c'est votre serviteur de tous les temps, Don Kayembe, depuis New York City. Conception et réalisation de Makolo Digital Radio-Télévision, la voix de la démocratie congolaise. Et la rediffusion sera faite sur www.lavdc.net. Sans plus tarder, je voudrais vous présenter mon invité. Monsieur Dominique Kabongo, je dis que vous êtes un politicologue diplômé de York University et vous êtes aussi ancien cadre de l'UDPS Canada. Actuellement, vous vous attachez beaucoup plus à l'analyse de la politique du point de vue global. Bonjour, Monsieur Dominique Kabongo. Bonjour, Monsieur Don Kayembe. Merci de me recevoir dans votre émission. Bienvenue et heureux de vous revoir une fois de plus dans notre noble émission. Ensemble, nous allons décortiquer la situation en République démocratique du Congo. Et sans plus tarder, je commence avec ma toute première question. Pour se déplacer d'une province à l'autre, il faut une autorisation de déplacement et de séjour dans son propre pays. Est-ce que ceci, M. Dominique Kabongo, vous dit quelque chose? Très bien, merci encore une fois pour me recevoir sur votre plateau. Ce n'est pas une première et ça ne sera certainement pas une dernière. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, cette question, j'aimerais, si vous permettez, que je puisse décortiquer le concept dans lequel je visualise cette question et cela pourrait permettre à nos auditeurs de pouvoir comprendre mes réponses et mon point de vue sur les questions. Donc, c'est toujours important quand on parle de la RDC de toujours contextualiser les choses par rapport aux événements qui arrivent. Quels sont les tireurs de ficelle? Quel est l'objectif poursuivi? Et ensuite, on s'est commencé à analyser les faits. Moi, je pars du point de vue qu'il y a toujours cette envie. Cette vérité, je pourrais même dire, de pouvoir voir la RDC s'émietter. Il y a des forces exogènes qui continuent à pousser la RDC vers la discorde pour qu'il y ait véritablement une implosion dans ce pays. Alors, on utilise des méthodes fortes, on utilise des méthodes douces, mais l'objectif reste le même. Alors, lorsque vous êtes en train de parler maintenant, on entend parler d'une demande d'autorisation pour aller d'une province à une autre. C'est absurde dans un pays qui s'est dit une république parce que tout Congolais, tout citoyen congolais a le droit de pouvoir circuler et de pouvoir s'installer où il veut, librement. Alors, lorsque on entend parler de ça, je crois qu'on fait probablement allusion à la vague, l'exode qui est en train de se faire entre le Kasaï vers le Katanga. Et je pense qu'il y a une faillite de l'État, par exemple, pour pouvoir, en fait, qu'ils n'aient pas en mesure de pouvoir assumer ses responsabilités en matière de gestion sociétale.
Et maintenant, on commence à chercher, on essaye ici et là, par des moyens, comment essayer d'y remédier au problème sans pouvoir aller au fond du problème. Donc, je pense tout simplement que cette mesure n'est que réactionnaire. Elle est discriminatoire d'ailleurs, parce que les Congolais peuvent bouger d'un plein autre. Maintenant, pourquoi cet exode? Eh bien, moi, je pense tout simplement que cet exode est animé par un agenda politique. Il faut créer, vous savez, si on remonte dans l'histoire tumultueuse de notre pays, on va se rendre compte que les deux zones, les deux provinces de tension, souvent ont été le Katanga et le Kasaï. Bon, si on poursuit un objectif pour créer le chaos, pour créer le chaos, pourquoi pas exacerber ces tensions ou les revivre, les faire revivre d'une manière ou d'une autre, afin de pouvoir provoquer un chaos. Alors, il y a un exode organisé où il y a une vague de gens qui quittent le Kasaï pour aller vers le Katanga et ils quittent en masse, ce qui crée exactement une situation de chaos au Katanga et qui suscite évidemment pour les résidents du Katanga beaucoup de frustration, parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent, on ne sait pas où les mettre, il y a un désordre total. C'est un chaos organisé et qui bénéficie à un certain agenda politique. Ici, nous parlons de l'exode en masse. Je pense que le problème en soi, ce n'est pas que les populations se déplacent, mais il faudrait chercher à savoir pourquoi il y a un déplacement si massif qu'on peut quand même observer récemment de cette vague d'immigration vers le Canada. Pour moi, c'est comme je suis en train de vous dire, ça a une connotation politique, c'est fait pour exacerber un certain conflit, si on peut dire, qui n'existe pas seulement, qui existe depuis notre histoire avec nos frères du Katanga, pour des fins politiques. Parce qu'il n'y a pas une politique qui est mise en place au Kasaï, à la source, pour savoir pourquoi ces gens rentrent. Est-ce qu'il y avait une politique d'accueil? Est-ce qu'il n'y a pas une période de réinsertion ou d'intégration dans la région du Kasaï qui aurait permis à ces gens qui sont partis de pouvoir s'installer et refaire leur vie, si on peut appeler ça comme ça, au Kasaï? Pourquoi tout le monde repart vers le Katanga? On peut chercher à savoir. C'est parce qu'il n'y a pas de structure d'accueil social pour les Kasaïens au Kasaï. Et maintenant, on les pousse vers le Katanga avec un agenda politique comme soubassement. Okay, parce qu'il faut créer... Permettez-moi de terminer. Parce qu'il faut créer un chaos justifier certaines choses qui sont malsaines si elles devaient arriver. Ok. Donc la Monsieur violence, Dominique, on peut appeler ça comme ça. Ok. Monsieur Dominique, nous évoluons donc dans ce même registre. Vous avez tout suivi dans l'allocution du gouverneur Jacques Kaboula du Haut-Katanga disant que plus de 750 policiers militaires ont déserté leur poste dans le Grand Kasaï, certains avec armes. Le nombre est exorbitant puisqu'il a fait allusion à plus ou moins 300 dans le Lualaba et davantage dans le Tanganyika. Un mot sur cet aspect sécuritaire. Moi, je trouve que ça, c'est une déclaration extrêmement dangereuse et incendiaire. Et surtout, pourquoi incendiaire? Parce qu'elle vient du gouverneur, le premier responsable de la police. Donc, normalement, même si on dit que le Congo est un État faillite, il y a quand même un mécanisme de recensement, des éléments de sécurité, je sais qu'ils sont tous immatriculés. Il faut aller d'abord chercher à, lorsque ces gens ont été identifiés, y a-t-il eu un recensement correct? Comment on arrive à ce chiffre? Mm-hmm. Si le chiffre est correct, comment on peut laisser des éléments de la sécurité
dans la vie sociale comme ça, avec armée d'ailleurs, et qui quittent une région ou leur poste d'assignement vers l'Eldorado, comme ça, dans une autre province, il n'y a pas d'élément de suivi, il n'y a pas une alerte vis-à-vis des autorités respectives en matière de sécurité, et on laisse des individus comme ça. Normalement, ils devraient avoir des mesures de rétorsion sévères. On devait arrêter ces gens, chercher à les vérifier les matriculations. Ils sont considérés comme des déserteurs parce qu'un élément de sécurité ne peut pas quitter son poste facilement à partir vers l'inconnu comme ça, sans ordre même de mission. Donc, dans ce cas-là, ils sont considérés comme déserteurs, donc ils devaient être arrêtés. Il devait être sanctionné. Arrêté, sanctionné, donc ça c'est au niveau des récalcitrants, mais la déclaration elle-même venant d'un gouverneur, est-ce qu'il ne s'est pas accusé non. au niveau national et le ministre de l'Intérieur et Sécurité du territoire vraiment ne fait rien? C'est très grave. Oui, je n'ai rien entendu. Mais c'est extrêmement grave. C'est gravissime. Je n'ai rien entendu comme déclaration de la part d'Asselo, ce qui prouve à suffisance qu'il est absent, il est distrait. Parce que ça, ce sont des choses qui ne se font pas. Et même si on descend dans la chaîne de commandement, et il y a un sérieux problème parce qu'on ne peut pas... C'est gravissime ce que Kaboul a donné comme déclaration. Et moi, j'aurais souhaité que Kaboul aille plus loin, puisque c'est bien de dénoncer, mais quelles mesures a-t-il mis en place pour pouvoir contenir ce danger de 750 éléments, si ils sont bien 750, et ont-ils été désarmés? Et sont-ils neutralisés? Et là, il a donné même le flanc aux bandits, puisque maintenant, ils peuvent aller faire les forfaits. Et sachant qu'on ne peut pas nous détecter, on peut croire que ce sont les Kassins qui sont venus avec les armes. Tout à fait, mais il a ajouté l'huile au feu, parce que, tout à fait, comme vous dites, quelqu'un peut commettre des crimes odieux envers la population paisible, et tout va retomber sur ces éléments militaires qui soi-disant, ont des armes et qui se sont envolés dans la population. Oui. Donc, c'est-à-dire, il y a la responsabilité partagée au niveau provincial et surtout au niveau national, où le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur devraient être interpellés, pourquoi pas le ministre aussi de la Défense, puisque c'est dans leurs attributions. On parle aussi des militaires qui sont armés, qui ont fait les déplacements. Je dis bien toute la chaîne de commandement sécuritaire et même politique, il y a une faillite. Parce qu'on parle, 750 éléments de sécurité, c'est un contingent. C'est un contingent militaire. Vous voyez? C'est extrêmement dangereux. Ok, alors... Utiliser comme ça, dans la nature, et on ne voit pas de mesures prises pour pouvoir sécuriser et neutraliser ces gens-là. C'est juste un événement qui passe à la poste comme un autre. Et c'est grave parce que... et la responsabilité, donc, pour répondre à votre question, elle incombe toute la chaîne de commandement, en commençant par Kaboul à lui-même, parce que moi, je ne peux pas comprendre qu'on est responsable d'un territoire bien assigné et qu'on a des éléments comme ça et qu'on prenne une issue sécuritaire de ce niveau-là. D'ailleurs, en le balançant dans la presse, on crée encore une autre psychose. On peut même être accusé. Bongo, M. Dominique Kabongo, ministre de l'Intérieur et de Sécurité nationale, quelles mesures pourriez-vous prendre? Par rapport à ce problème précis? Exact. La première des choses, c'est que je convoque le corps sécuritaire au niveau de la police. En collaboration avec le ministre de la Défense, nous essayons d'identifier très rapidement quels sont ces éléments qui sont déserteurs. Il faut les neutraliser. Nous appelons Kaboul, qui est le responsable de la province, en lui demandant quelles sont les mesures de plan de contingence sécuritaire qui a été mis en place
Moi-même, je me déplace sur place, j'observe et je regarde les mesures qui se sont mises en place. Et une fois que la sécurité et le bien-être social de la population est sécurisé par rapport aux mesures qui sont mises en place, je cherche. Je vais personnellement m'impliquer pour voir ces déserteurs-là, et ils ne feront plus partie du corps sécuritaire de la police, et ils vont certainement purger leur peine. Ok. Alors, nous restons dans le cadre de la sécurité nationale, M. Dominique Kabongo. Donc, le 6 mai 2001 au 6 mai 2022, cela faisait une année jour pour jour, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, avait décrété l'état de siège, cette mesure d'exception, pour soulager la souffrance de populations de l'Ituri et du Nord Kivu, en proie aux violences, insécurité et tuerie. En un an, selon certains analystes, le nombre de morts lors d'attaques a plus que doublé dans la région, selon le baromètre sécuritaire du Kivu. 365 jours et on a compté 23 prorogations de l'état de siège. Que dire de cette mesure d'exception, M. Dominique? Très bien. J'ai quand même eu le privilège, avant de répondre à votre question, comme je dis, j'aime toujours contextualiser les choses. J'ai eu le privilège d'aller au Kivu. J'ai parlé avec certains responsables locaux pour essayer de comprendre un peu la dynamique qui se passe là, parce que j'étais quand même surpris. J'arrive à Goma, tout est calme, tout va bien. Et les gens construisent. Les gens construisent et je vous dis que c'est très propre. Donc l'Est et l'Ouest du Congo, c'est le jour et la nuit. J'étais surpris. Et je me dis, tiens, est-ce que je suis déjà en Europe ou en Occident ou je suis encore au Congo? Je dis, tiens, je vois que la société est bien organisée, ainsi de suite. Alors je pose la question, je dis, mais je ne comprends pas. On nous dit que l'Est est très... Il y a une grosse insécurité, tout ça, mais je suis à Goma. On se promène, on vit. Et les gens vivent. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Bon, après avoir fait parler avec les locaux, essayer de comprendre la dynamique qui se passe, je prends connaissance aussi que malheureusement, vous me permettez de faire un peu cette parenthèse. Rapidement, avant qu'il y ait cet état, avant qu'il y ait la déclaration de l'état de siège. Il y avait un autre plan de contingence qui avait été proposé au président de la République, dont j'avais eu quand même le privilège de lire, et je pensais que ce plan-là était beaucoup plus adéquat que l'état de siège. Pourquoi? Parce que, simplement pour le fait que nous combattons une guerre asymétrique et ce système de gorilla. Vous voyez la preuve, aujourd'hui on est allé très fort, très rapidement dans le muscle, et apparemment il n'y a rien qui est fait parce que en fait, l'état de siège, ça a échoué, puisque les résultats parlent pour eux-mêmes. Il y a beaucoup plus de morts et le baromètre de Kivu le dit. Donc, ce qui aurait été mieux, ce que moi je pense, qui serait mieux, c'est peut-être où ils sont arrivés maintenant. Il aurait dit d'abord faire une étude de faisabilité. Bon, ils appellent ça table ronde, une étude de faisabilité. Et évidemment, on ne peut pas tout dévoiler ici, les méthodes qui auraient pu être prises. Parce que ce sont des issues sensibles sécuritaires. Mais je crois que pour pouvoir élaguer ce problème à l'Est, il faut pénétrer la société. Et il faut pénétrer la société et associer les méthodes fortes avec la société. Parce qu'y aller d'une manière brute comme ça, les gens se font acheter l'achat de conscience, ainsi de suite, parce que en fait, la guerre du Kivu est de connotation économique. Alors, je passe à la question suivante. Aucun groupe armé n'a été démantelé. Pire encore, les forces démocratiques alliées, ADF, ont étendu leur zone d'influence et le M23 des tristes mémoires, pourtant défaite depuis 2013, est de nouveau actif dans le Kivu. Après sa dernière mission d'évaluation dans les deux provinces du Premier ministre, M. Jean-Michel Sama Lokonde a fait le compte rendu et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi,
a annoncé une tenue d'une table ronde sur l'état de siège. Donc, une mesure pour étudier et voir dans quelle mesure on peut rectifier les tirs s'il le faut, mais sans plus de détails. Les consultations entamées entre le gouvernement congolais et les groupes armés à Nairobi fin avril, selon vous, est-ce que ce pourparlers, est-ce que cette mesure de table ronde pourrait être un pari sécuritaire pour le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi? Bon, je vais répondre sur deux volets. Pour répondre à votre question par rapport au président de la République, je ne sais pas très bien comment penser, comment il est en train de piloter cette politique-là. Mais personnellement, moi, je ne pense pas qu'il devrait discuter avec ces groupes armés-là. Je ne pense pas qu'il y a question de faire ceci. Parce que ramener ces gens à la table de négociation, c'est affaiblir la position du gouvernement. Nous sommes la République, les institutions reconnues légalement. Ces gens-là sont des groupes armés. J'ai dit qu'on pouvait établir des vases communicants de manière officieuse, chercher à savoir quelles sont les revendications et voir de quelle manière on pouvait éteindre le feu de cette nation. Mais j'ai dit encore une fois que la guerre, les tensions, les foyers de tension au Kivu sont des connotations économiques. Le M23 que vous citez était déjà démantelé. Ils étaient en Ouganda, celui de Makenga. Celui de Runiga était démantelé. Runiga était au Rwanda, je crois qu'il était au Rwanda. Donc, il n'existait plus. Mais ils trouvent le moyen de se reconstituer et de commencer à semer la désolation, encore une fois dans le pays, et ils brandissent des revendications qui avaient déjà été traitées sous le régime de Joseph Kabila. Donc on rentre dans un cercle vicieux. Alors là, moi je dirais non, on coupe le cordon ombilical. Les revendications furent déjà examinées et traitées à l'époque. Ce sont des rebelles de toutes les façons. Comment pouvons-nous intégrer, on cherche à élaguer les problèmes sécuritaires, comment pouvons-nous intégrer des rebelles dans les services? Comment pouvons-nous réinsérer ces gens-là dans la société? Un criminel reste criminel. Mais on négocie la paix avec son adversaire. L'adversaire ici, c'est ces groupes armés qui sont étrangers et congolais aussi. Monsieur Don KMB, je me répète encore, pour moi, le président de la République ou les institutions de la République ne doivent pas discuter avec ces groupes rebelles. Okay. S'il faut utiliser des méthodes de retorsion où il faut frapper dur, eh ben, on va de cette manière-là jusqu'à ce qu'on va perdre. D'accord. Ça, c'est mon point de vue et c'est là que je m'arrête. Vous êtes sur Makolo Digital Radio-Télévision, la voix de la démocratie congolaise, qui émet depuis New York City. Selon la Constitution de la République démocratique du Congo, M. Dominique, nous avons les institutions suivantes. 1. Le président de la République. 2. Le Parlement. 3. Le gouvernement. Et 4, les cours et tribunaux. Quelle importance accordez-vous à l'institution président de la République personnellement? L'institution président de la République, c'est une institution sacrée, excusez-moi. Donc c'est une institution sacrée. Et bon, toutes d'ailleurs, mais celle-là, c'est la plus haute fonction de la République. Par conséquent, elle vient avec un certain privilège, comprenez, et elle doit être respectée, vous comprenez? Par tout le monde. Or, malheureusement, ce que nous... Bien sûr, c'est le président de la République, donc tous les citoyens de cette République doivent respecter cette institution, doivent respecter toutes les institutions, mais en répondant à votre question, en particulier, particulièrement celle-là. Celle-là est malheureusement, la plus haute, c'est-à-dire beaucoup plus du respect à celui-là. Si vous le dites, moi je pense que le respect doit être fait à toutes les institutions, mais seulement par ordre hiérarchique, c'est la présidence qui est la première. Voilà, c'est d'accord. Ça. D'accord. Maintenant, c'est fort de constater que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et pourquoi? Et je pense en part et d'autre, il y a aussi beaucoup, il y a des ratés d'abord de ceux qui animent l'institution présidence de la République.
Et il y a aussi une volonté manifeste de pouvoir de compatriotes de pouvoir manquer de respect à cette institution. Pour quelles raisons? C'est ça ma question, Monsieur Dominique Kabongo. Vous êtes des intellectuels et surtout des universitaires qui sont des leaders d'opinion et leaders politiques en RDC. Ce sont ces mêmes gens qui sont à la tête pour induire la population dans le tourment pour le non-respect des institutions du pays avec des insultes gratuites au niveau des médias, au niveau de leur réunion populaire. Quelle est l'éducation que ces leaders sont en train de donner à leurs sympathisants, au peuple en général, puisque un jour, M. Félix Tshisekedi ne sera pas là où il est, puisqu'il n'est pas éternel. Après le mandat constitutionnellement reconnu, il peut dire « je quitte ». Et ce sont ces mêmes gens aujourd'hui qui utilisent leur plateforme pour le vilipender en tant qu'individu, en tant que président. Et si demain il n'est pas là, on les faisait trimer dans la même confusion, vont-ils vraiment apprécier? Non, pas du tout. Il n'y a personne qui aime être insulté. Aucun être humain n'aime être insulté. Mais pourquoi ils le font? Donc, c'est comme je... Non, le manque d'éducation, c'est tout simplement. Notre population congolaise n'est pas éduquée politiquement. Le débat contradictoire ne signifie pas l'insulte. Exact. On peut être en désaccord avec quelqu'un farouchement, mais nous n'avons pas besoin de s'attaquer à sa personne, son intimité, ou sa famille. Il y a une ligne très fine. Être une personnalité publique et s'attaquer à la vie personnelle de quelqu'un, il y a une nuance. Vous comprenez? Néanmoins, cela dit, quand on est public, on appartient à la société. Les gens ont le droit de critiquer votre travail. Les gens ont le droit de critiquer votre vision. Mais les gens n'ont pas le droit de vous insulter en tant qu'individu. Parce que, comme vous dites, vous n'êtes pas indispensable. Il y aura quelqu'un d'autre qui viendra. L'institution... Donc, les institutions restent, les hommes passent, en fait. Exact. Vous comprenez? Exact. Donc, le respect de l'être humain, de la personne humaine, doit être un élément fondamental de base. Donc, or, chez nous, ça n'a pas été le cas depuis très longtemps. Nous, on a milité à l'UDPS, comme vous dites, vous l'avez bien si bien dans l'introduction. Nous en sommes aussi co-auteurs de ce qui arrive aujourd'hui. Pas dit si... Par exemple, Kabila, nous avons été juste même à toucher son épouse. Ça n'a pas fait mal à ces gens-là. Aujourd'hui, il y a le journaliste qui est allé aussi loin. Nous y arriverons, monsieur Dominique. Je voudrais d'abord beaucoup plus m'attarder sur le leadership. Selon les politicologues canadiens du nom de Robert Dahl, donc d'une formation que la vôtre, la formation universitaire, je cite, l'opposition sous toutes ses formes est essentielle au bon fonctionnement de nos institutions. Et il ajoute que cela est d'autant plus important même en période de crise. L'opposition au pouvoir en place doit exister, quel que soit l'enjeu. Dans l'environnement de la politique congolaise, est-ce une telle théorie est applicable? Si oui, pourquoi? Non, je dirais que nous, beaucoup de... Vous savez, M. Donkaembe, il y a beaucoup de gens qui viennent en politique et en fait, ils ne viennent pas pour... Ils viennent sans vision et ils viennent plutôt pour des raisons qui leur sont personnelles, peut-être la part de gain, ainsi de suite. Et donc, il n'y a pas cette déontologie, cette vision, cette méthodologie d'approche pour pouvoir avancer le bien-être de la société. C'est comme ça que souvent, vous entendez, on se réfère, on dit que cette classe politique est pourrie parce qu'elle n'a pas de ligne de conduite, elle n'a pas d'idéologie. Pas de référence. Encore moins, pas de référence, encore moins de méthodologie. Ce sont des gens qui arrivent en politique par hasard ou
parce qu'ils sont tombés, ils ont eu des moyens, ils ont acheté des consciences, et voilà, aujourd'hui, ils sont des excellents et honorables et tout ce qu'on veut, les ministres, au commun. Donc, mais dans le fond, ce sont des gens qui sont vides. Scientifiquement parlant, ils sont vides. Et par conséquent, ils n'ont pas d'exemple de nous. La preuve, leur comportement est égal au comportement des musiciens. Vous voyez, ils improvisent. Non, mais je vous dis clairement. Ils improvisent. Et la société est devenue une improvisation. On vit au jour au jour. Tout ça en Kinshasa, vous voyez. Il y a les lots et coquilles, la lobby totale, la lobby. Mais non, un homme est responsable de la gestion publique se projette à court, moyen et long terme. Il est obligé de voir des choses tout le temps. Nous vivons le jour au jour. C'est ça. Ouais. C'est ça, et ça pose problème. Il n'y a pas moyen d'articuler une vision, même à court terme, elle n'est pas, pour pas que j'aille dans le long terme. À court terme, elle n'existe pas. Bon, des gens qui se comportent comme ça, comment voulez-vous? Quel est l'exemple de l'homme, du politique congolais? C'est quelqu'un qui a volé, qui fait remplir les coches dans les caisses de l'État, du jour au lendemain, il bascule, il était dans le système, demain, il sort du système, il se déclare opposant, et après, demain, il veut devenir président de la République. Oui, les cas sont légion. Donc, on évolue, monsieur Dominique, le temps commence à nous faire défaut. Dans la théorie de la science politique, les médias doivent remettre en question tous les éléments de l'action gouvernementale et toutes les stratégies communicationnelles de celle-ci. Les scientifiques de toute discipline doivent attaquer sans relâche les idées reçues et les théories dominantes à l'aide de leur expertise respective, selon M. Robert Dahl. Ce travail d'opposition a lieu en temps normal. Il suffit de continuer à le faire, ce qui se fait partout au Congo. Surtout avec l'arrivée de M. Félix Antoine Tshisekedi, les opposants, ils s'évertuent de dire et de faire tout ce qu'ils veulent. Maintenant, eu égard au récent cas d'un compatriote du média à Kinshasa, il s'est ouvertement attaqué au président Félix Antoine Tshisekedi, non seulement comme président de la République, mais surtout comme l'homme ou l'individu Félix Tshisekedi. Et il s'est encore permis de contrecarrer presque tous les dirigeants du pays, c'est-à-dire du gouvernement et même du parti politique présidentiel, c'est-à-dire l'UDPS. Il est clair qu'il a procédé à l'abus du pouvoir lui conféré par son métier. Avez-vous un mot dans ce cas précis, M. Dominique Kabongo? Bon, tout d'abord, je dirais ceci. On vient de parler d'idéologie et de référence dans votre question précédente. La plupart des journalistes au Congo, ce sont des journalistes tendancieux. C'est-à-dire? Ils utilisent leur plateforme, permettez-moi, journalistique, pour avancer un agenda politique. Et par conséquent, ils ne sont pas toujours objectifs dans leur approche. J'ai dit que la critique est correcte. Le journaliste dont nous parlons en question qui a tenu des propos désobligeants, sa critique, dans le fond, il y a quand même des choses qu'on peut ressortir qui sont là. Mais la forme pose des problèmes. Et lorsqu'on regarde la forme, on regarde l'individu. On se pose des questions, qui est derrière cet individu? Là qu'on commence à voir qu'il n'y a plus, il n'y a plus rien d'objectif. Il y a plutôt un agenda politique qui est derrière. On parle de le rôle de l'opposition lors d'une mandature. Amener le débat contradictoire, amener la contradiction où elle s'applique. Mais où est la contradiction dans notre pays? Depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir, l'opposition se contente de dire qu'il n'a pas gagné les élections, on attend 2023. Rien d'autre. Rien ne marche, on attend 2023. Mais on ne propose rien concrètement. Les gens commencent maintenant, je vous ai dit, ils vont au jour en jour, on improvise,
Et quel est l'élément le plus simple de notre société? C'est l'injure. C'est l'accessoire. Franchement. Alors, selon vous, monsieur Dominique, pourquoi le silence de presque tous les responsables ou acteurs politiques dans le pays, donc c'est-à-dire les acteurs politiques et la société civile, est-ce une complicité, comme qui dirait, qui ne dit mot qu'on sent? Oui et non. Oui, parce que je vous ai dit que l'institution présidente, donc la présidence, a été souillée par le comportement de plusieurs qui sont là. Et dans cette vexation, ben les gens se disent, bon, tant pis, ils n'ont que ce qu'ils méritent. Vous comprenez? Non, parce que la complicité, je ne pense pas que c'est une complicité, mais c'est le commun des mortels. Chez nous, l'injure est facile. Les débats contradictoires n'est pas toléré. Au moment où que même dans votre émission ici, le fait que je ne suis pas d'accord avec la ligne gouvernementale du président de la République, certains viendront vous dire que non, c'est quelqu'un de mauvais. Mais je ne relève que certaines contradictions. Donc la contradiction n'est pas tolérée. Et par conséquent, les gens se versent à ce qu'il y a de plus facile, c'est l'injure. Puisqu'il n'y a pas de référence, il n'y a pas d'élément d'excellence, de point de référence, il y en a peut-être très peu, mais nous parlons de manière générale. Dans notre société. C'est dommage, très dommage, monsieur Dominique Kabongo. Donc, nous avons abordé presque tout le point. Nous sommes au dernier point. Donc, vous qui venez de nous rejoindre, vous êtes branché sur Makolo Digital Télévision, Radio Télévision, La Voix de la démocratie congolaise, avec notre invité du jour, monsieur Dominique Kabongo. Monsieur Dominique Kabongo, parlons du bilan de l'exercice du pouvoir en République démocratique du Congo. Selon vous, qui dirige la République démocratique du Congo au jour le jour? La constitution est claire. La gestion au quotidien de la République est menée par le Premier ministre. Et si tel est le cas, pourquoi les gens demandent beaucoup plus le bilan au président Félix Tshisekedi qu'au Premier ministre? Est-ce que c'est question de manque d'information ou d'éducation politique? Non, parce que tout simplement, chez nous, le président a toujours été considéré comme le tout-puissant. La primature n'est pas une institution indépendante, mais c'est une institution d'accompagnement. Le Premier ministre prend ses directives du président. Malheureusement. Alors maintenant, je voudrais un peu aller d'abord dans le cas de bilan du Premier ministre. Monsieur Dominique Kabongo, vous allez constater avec moi, et je le dis toujours quand je fais les émissions, il y a trop d'accidents de circulation en République démocratique du Congo, sur tout le plan, en l'air, sur la terre et sur les eaux. Personne. Alors personne n'est interpellé. Ni le Premier ministre, ni le ministre des Transports, moins encore les policiers ou les polices et les gouverneurs qui sont responsables des vies des individus. Les gens meurent chaque jour sur nos routes, sur nos mers, nos fleuves et même dans l'air. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? L'absence de l'État. Les gens, les responsables actuels sont aux affaires. Pour leur famille, pour la part de gains, pour le clan, et chacun se contente de son petit temps, on est satisfait, la société n'est pas gouvernée. Donc la vie humaine ne dit rien. Ne représente rien du tout. La vie humaine du Congolais ne représente plus rien. Donc les gens vivent au jour au jour, c'est comme ça que les gens sont en dépassage avec tout. Ok. Allons tout de même sur cet élan. Quel est le bilan du régime Tshisekedi depuis qu'il est à la tête du pays, selon vous? Monsieur Don Kaembe, je vais être cru avec vous. Moi, je n'ai pas vu d'avancée.
Et je suis tout le temps au pays, je voudrais que vous puissiez faire la part des choses, comme à ma première question sur cette rubrique, responsable des activités du pays du jour au jour et les responsabilités du président de la République. On va scinder ça en deux, on va scinder la poire en deux. Nous commençons d'abord avec la tête qui est le président François-Antoine Tshisekedi. Quel est son bilan en tant que président de la République? Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, que je connais bien, pour avoir milité ensemble à l'UDPS, je sais qu'il est animé de bonne foi, qu'il veut faire des choses, des bonnes choses. Le problème se présente dans l'implémentation, ou même, je paraphraserai ce qu'il a dit, dans le pilotage de certains de ces projets. Là où, c'est que M. Félix Tshisekedi a fait un mauvais casting jusque-là. Il est beaucoup plus loyal à ceux qui l'ont accompagné au pouvoir, donc son entourage direct, que se focaliser sur un système méritocrate. Peut-être ces acteurs méritocrates-là sont des gens avec qui il a peut-être eu des différends dans le passé, sur son parcours politique, mais il devrait avoir la grandeur, puisque c'est lui qui va être responsable du mandat. On ne voit pas Sam Alukonde, on ne verra pas Ilon Kamba, on ne verra pas notre ministre, on le verra lui. Par conséquent, c'est son héritage à lui. Et moi, je pense qu'il devrait prendre le courage de pouvoir faire un casting basé sur un système méritocrate et se départager de ses attachements fraternels avec ses amis ou amicales, des gens qu'il a ramenés, qui l'ont probablement accompagné, mais qui ne méritent pas d'être là. Par conséquent, toute sa politique plante. Mais il y a Je vais sur le point de vue du gouvernement. Encore une fois, c'est un problème de... Je reviens au gouvernement après. Je suis sur le président de la République qui nous a présenté, et il l'a dit à haute voix, surtout quand il était dans sa tournée du Grand Kassai. Il a dit, je vous amène un projet, dit projet de développement de 145 territoires, et ça sera vraiment quelque chose de bon pour le développement du pays. Qu'est-ce que vous en dites pour ces projets-là, de grande envergure, de toute façon? Je retiens mon souffle, parce que les projets précédents se sont soldés dans l'échec. Il n'y a pas eu... Allez-y donc. Les projets précédents se sont soldés dans l'échec. Qui ne sont pas venus de lui, mais là, lui, il vous a présenté son projet actuellement. Vous ne me laissez pas terminer. Allez-y. Donc, je dis que les projets antérieurs se sont soldés en échec parce qu'il y avait un problème de pilotage. Donc, dans l'implémentation, dans l'opération. Et ça, c'est un problème d'individu. Donc, le projet de 145 jours qui s'étale, je pense, sur 36 mois, peut être très bien rédigé. Territoires, pas 145 jours. Permettez-moi. Développement des 145 territoires. D'accord. Permettez-moi. Donc, le projet en question de 145 territoires peut être bien rédigé, peut être bien conceptualisé, mais s'il est mal implanté et l'opération est mal faite, ça va se solder en échec. C'est beaucoup d'argent, comme vous avez dit. C'est un projet de grande envergure. Qui pilote ce projet-là? Eh bien, moi, je peux vous dire que quand j'ai regardé déjà les superviseurs sur certains secteurs, je dis, voilà, ça va être encore un autre appel. Alors, qu'est-ce que vous proposez à la place? Mais je vous ai dit, je reviens encore, si le président Félix Tshisekedi veut réussir, il doit se doter des gens qui sont capables de pouvoir conduire sa politique. Et jusque-là,
ce n'est pas le cas parce qu'il y a beaucoup plus un sentiment de fraternité vis-à-vis de ses compatriotes qui ne sont pas suffisamment compétents pour piloter cette politique. OK, alors maintenant, évoluons. Nous avons parlé du bilan du président comme institution. Maintenant, parlons maintenant du gouvernement. Un an après que le premier ministre Sama Lukonde ait prêté serment avec son gouvernement au niveau de l'Assemblée nationale, le gouvernement dit gouvernement des warriors, c'est-à-dire des guerriers, quel est le bilan? Il en avait parlé à la télévision lui-même la fois dernière. Et qu'est-ce que vous avez retenu de son bilan selon... Monsieur Sama Lukonde est venu nous dire que son bilan était positif. Largement. Moi, je ne sais pas où il a vu. Largement positif. Merci d'ajouter cet adjectif important. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas ce qu'il a vu ce positif. Parce que moi, je dirais que c'est un échec total pour moi. Tout d'abord, nous avons parlé du casting. Vous savez, avec tout ce que traverse la RDC, la complicité et les immenses problèmes qui existaient, Sama Lukonde n'était pas le profil idéal pour être premier ministre. C'était pas quelqu'un de vertébré, c'était pas quelqu'un qui avait déjà conduit une certaine politique qui pouvait, sur lequel la présidence, dont le président de la République pouvait se pencher, savoir que à la primature j'ai quelqu'un de poigne, quelqu'un qui sait pousser, qui sait avancer les choses. Non, on nous a cherché quelqu'un d'amorphe, un novice dans la politique qui ne maîtrise rien. Voilà le résultat. Il était ministre du sport. Ouais, il était ministre du sport. Il aurait pu peut-être rester là-bas et continuer à s'occuper du sport. Ça aurait été encore mieux parce que il n'est pas à la hauteur des enjeux. Encore moins, ce n'est pas parce qu'on fut ministre vraiment la bonne personne. Profil qu'on a pu gérer à l'époque. Donc, ce n'était pas la personne qu'il fallait pour ce moment-là, pendant que Étienne Tshisekedi, perd son âme, Félix Tshisekedi cherchait à pouvoir revigorer sa politique et démarrer, se donner un coup de pouce, un élan. On nous a sorti ce monsieur qui a l'air d'un gros nounours, en fait, permettez-moi le terme. Voilà. Donc, c'est lui qui a contribué à l'échec. Posez-moi, est-ce que vous le sentez, le Premier ministre? Depuis un an, est-ce que vous le sentez? On peut compter le nombre de fois qu'on l'a vu dans l'action. Le résultat parle de lui-même. Pendant que ces ministres sont en train de détourner des fonds gauche à droite, il n'y a pas de mesure de rétorsion, il n'y a rien, et il est absent, et puis voilà, on a vraiment l'impression que c'est... c'est un boulevard ouvert, chacun s'arrête, prend ce qu'il prend dans la banque, et puis il continue sur son chemin, et puis c'est tout. Un président de la République ne peut pas tout faire seul. Il faut avoir des sérieux collaborateurs. Ok, concluons avec les territoriales. L'UDPS et l'Union sacrée se sont raflés quelques provinces au niveau du gouvernorat. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, on va voir la suite. J'ai vu que je vais peut-être accuser un peu de biaisage, mais c'est pas très grave. J'ai vu au Kokasai et au Kinanga Oriental, ils étaient très contents parce que ils ont vu Machin Kabea est arrivé. On m'a envoyé des choses pour me donner un peu toutes ces déclarations. Bon, en grosso modo, j'ai vu, j'ai fait c'est mon devoir et mon travail, notamment en tant qu'acteur et analyse politique, de voir ce qui se passe dans mon pays au quotidien. On va voir ce que ces gouverneurs vont pouvoir amener. Comme j'ai dit, il faut Est-ce qu'un signe précurseur de la victoire de l'UDPS aux élections de l'année prochaine? Pas du tout. L'UDPS doit travailler très fort. L'UDPS a beaucoup de problèmes. Et si elle veut vraiment se doter d'une majorité, si on peut dire, ou près d'une majorité pour pouvoir conduire sa politique, il faut vraiment travailler très, très, très fort alors. OK. Alors, Monsieur Dominique Kabongo, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission.
Un mot de la fin, s'il vous plaît, dans une minute. Très bien, merci donc, monsieur Don Kayeme, de me recevoir sur votre plateau. C'est toujours un plaisir. J'espère que nos auditeurs ont pu apprendre quelque chose de nouveau de notre échange assez fructueux. Pour notre peuple congolais, c'est que bien que tout ce que nous traversons est difficile, avec tout ce qu'on a, le monde qui bouge de part et d'autre, la Covid, maintenant on est pratiquement aux portes d'une troisième guerre mondiale, on ressent les retombées de manière globale et générale, c'est difficile, mais je crois qu'il faudrait rester résilient par rapport à notre pays. Je crois que si nous arrivons vraiment à pouvoir élaborer les bonnes politiques pour notre pays et avoir les bons acteurs au bon endroit, dans ce rebattement des cartes qui s'annonce ici au XXIe siècle, je crois que la RDC peut sortir vainqueur si vraiment on prend les choses au sérieux. Grand merci. Il ne me reste plus qu'à dire grand merci, M. Dominique Abongo. Espérons vous retrouver encore très prochainement, dès que nous aurons besoin de votre expertise. Nous disons aussi grand merci à ceux-là qui nous ont suivis sur Makolo Digital TV, la voix de la démocratie congolaise, du début à la fin. Et nous vous remercions une fois de plus pour vous dire que notre prochain numéro sera pour le week-end prochain. Donc c'est une émission hebdomadaire. Et en attendant, nous vous disons grand merci de la part de Don Kayembe, votre serviteur de tous les temps de Punior City. Et à la prochaine. Ciao. Merci bien de me recevoir. Au revoir. Merci bien. Okay.